Qui ça là, c'est moi, c'est ok. Allô? Dagobert, c'est quoi? Il est 2h du matin. Quoi? Tu m'appelles que je vienne chez toi? À 2h du matin. Pour faire quoi? Regarder un film et boire un vin. Dagobert, regardez quel film à 2h du matin, c'est le porno. C'est à 2h du matin que tu veux qu'on regarde un film. Bois un verre que les restaurants sont fermés à Paris. Mais Dagobert, je vois que tu te moques de moi. Hein. Je t'ai appelé l'autre jour que j'ai un problème urgent de 200 euros. Tu as fermé ton téléphone jusqu'à présent, tu ne m'as plus jamais appelé. Mais tu me réveilles à 2h pour venir regarder un film. Je demande que le film là, c'est John Travolta qui joue dedans, ou c'est qui? Dagobert, si tu veux écraser mon pistache, dis-moi clairement que Aïcha vient chez moi, j'ai envie d'écraser, j'ai envie de Wanjua. On donne Wanjua, rampe mon gars, on donne Wanjua. On tanne 2h du matin. Je me suis fendu. On panne. Si on envoie la malchance sur toi ou si tu as rêvé de moi, 2h du matin. Vous prenez même les filles pour faire les bêtes. Et si ça marche avec votre fille, ça marche pas avec moi. Tu veux écraser mon pistache, un point c'est tout. Ne cherche pas les prétextes que c'est que tu veux que j'aille regarder le film, tu veux que j'aille regarder le machin. J'ai la télé chez moi. J'ai le jus chez moi. J'ai le poisson au congélateur, je connais cuisiner. C'est même qui ça? Merde. Les gars, si nous prenons souvent pour des cons, hein. Les gars, s'il vous plaît. Dans la vie, il faut être clair. C'est vrai que toutes les femmes n'aiment pas la vérité. Mais il faut être honnête. Si tu vois une fille et que tu veux seulement faire le nyongi-nyongi avec elle, dis-lui clairement que tu veux dormir avec elle. C'est quoi pour vous sortir les plans? Tu appelles quelqu'un à 2h du matin pour lui dire que tu veux que vous causez. On va causer quoi?